a le temps de se laver les dents. Moi, il me suffit de sauter dans un bain d'acide et la tour est jouée. Oh, toutes mes excuses. Est-ce que j'ai tué ton ami? Oups, désolé. Tu dois te demander où j'ai trouvé tout ça. Eh bien, j'ai eu un bon prix auprès d'un parc d'attractions fermé juste au coin de la rue. J'aurais voulu que tu vois la tête de l'agent immobilier quand on a échangé une poignée de main pour conclure l'affaire.
Ah, je dois dire que je te pensais bien plus costaud. Et... Tu dois te demander où j'ai trouvé tout ça. Eh bien, j'ai eu un bon prix auprès d'un parc d'attractions fermé juste au coin de la rue. J'aurais voulu que tu vois la tête de l'agent immobilier quand on a échangé une poignée de main pour conclure l'affaire. Oh, toutes mes excuses. Est-ce que j'ai tué ton ami? Oups! Tu dois te demander où j'ai trouvé tout ça. Eh bien, j'ai eu un bon prix auprès d'un parc d'attractions fermé juste au coin de la rue. J'aurais voulu que tu vois la tête de l'agent immobilier quand on a échangé une poignée de main pour conclure l'affaire. Imagination! Allez, sois réglo! Ne me force pas à prendre ta jolie ceinture! Encore! Pitié! Maintenant, mon jeu préféré, le Joker a dit! Et le Joker a dit, tu vas faire que les types jusqu'à ce que ta tête tombe! Si j'essaie de le faire sortir, il sera électrocuté. Je vais devoir suivre les règles. Quand tu étais gamin, tu as déjà essayé de rôter l'hymne national. J'ai jamais été trouvé pour ça. Mais ce gentleman prétend être bon.
C'est tard de nous amuser. Voyons comment il s'en sort pendant que je l'électrocute. Oh, ça sent la cervelle de chauve-souris. Ça, c'est ce que je préfère entre tout. Ça me rappelle mon enfance. Le goût du pop-corn, les cliquetis des manèges, la puanteur des clodovores qu'on retrouvait sous la promenade. C'était la belle époque. Oh mon Dieu! Il y a une chose que tu dois encore travailler, c'est ton sens de l'humour. Tu n'as pas souri une seule fois de la soirée, et tu connais le dicton, hein? Qui ne sourit jamais finit en macabre. Pensez pouvoir nous échapper, hein. Qui êtes-vous? Je vais vous aider. Il y en a encore. Ils retiennent mes collègues. Ils les obligent à... Vous en faites pas. Je vais les aider avant que ça tourne mal. D'accord. Faites vite! Batman ne viendra pas. Est-ce qu'on peut tuer ces gars? Oui, tu as raison. Allons-y. Il dit qu'on peut les tuer. Les gars, regardez! Je suis à la télé! Salut, mon! Hé, Vicky! Viens ici! Viens donc t'habiter! Thank you.
Les otages sont sauvés. Je dois filer jusqu'à la suite pour arrêter le... Jamais vu une chose pareille. Ces bombes sont réglées pour exploser le 31 décembre. Je devrais pouvoir les désamorcer avec mon séquenceur cryptographique. Oh non, tu as trouvé mes bombes, bonhomme de neige! De l'an, hein? Le feu d'artifice va commencer plus tôt, alors, hein? Seigneur, c'est pas vrai! Dis-moi qu'on est à l'antenne! Ouais, toujours en direct! Ici Vicky Vale, en direct de l'hôtel royal de Gotham, où une énorme explosion vient juste d'avoir lieu. Il semblerait que Batman ait été soufflé par la déflagration. Suspendu en dessous de notre hélicoptère. C'est quoi ça? Plusieurs hommes armés se sont rassemblés sur un balcon. Ils ont des flingues. Après des années d'apparitions non confirmées, sans images, nous avons vu Batman deux fois ce soir et avons pu le filmer. Serait-ce une nouvelle étape pour le mystérieux justicier? Va-t-il devenir une figure publique? Une chose est sûre, après ce que je l'ai vu faire ce soir, il est certain que ce justicier va se faire un nom. Vous l'avez vu chez nous ce soir, Batman en direct. C'était Vicky Vale, à vous les studios. Oh, dommage, c'est triste. Après des
années d'apparition non confirmée, sans images, nous avons vu Batman deux fois ce soir et avons pu le filmer. Serait-ce une nouvelle étape pour le mystérieux justicier? Va-t-il devenir une figure publique? Une chose sûre, après ce que je l'ai vu faire ce soir, il est certain que ce justicier va se faire un nom. Vous l'avez vu chez nous ce soir, Batman en direct à la télévision. C'était Vicky Vale, à vous les studios. En direct, t'as beaucoup de talent. Royal de Gotham à la télé. Les clients de l'hôtel sont-ils en sécurité? Non, malheureusement. Monsieur, vous allez bien? Votre voix... Je vais bien, Alfred. J'ai déjà affronté des psychopathes, mais là... Monsieur, je vous suggère fortement d'appeler le capitaine Gordon. Il pourrait être un allié de premier ordre. Je n'ai pas besoin d'alliés. Les hommes du Joker ont été éliminés ici. Bien joué. Mais n'oubliez pas, notre principal objectif est Batman. On doit rester vigilants. Il nous échappera pas. Et c'est le seul chemin qui mène à la suite. Espérons que vous ayez raison. Le temps nous le dira. Batman. Est-ce que je vous distrais, les gars? Dommage. Votre patron et moi avons un accord. Et je devais vous encourager. Éliminer un par un.
souffrez pas assez souvent. C'est quoi? C'est insupportable! Il arrive. Tu peux le faire. J'attends simplement qu'on commette une erreur. N'en faites surtout pas! Pas que... Avec l'entrée, Batman, tu dois encore gérer le plat de résistance. J'aurais dû rester à son...
gentil à toi de passer. Et pile à l'heure. Je m'en charge, Payasson. Ah, 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 n'oublie pas, tu m'as donné ta parole. Tu as une minute. Ils n'ont donc aucune manière là d'où il vient. Tu vois, c'est une sorte de tradition chez moi. On ouvre chacun un cadeau le soir du réveillon de Noël. Pourquoi pas... celui-ci. Héron, petit pas à pompe. Combien de filles est-ce que t'as volé? Aucune, je crois. Ce n'était qu'un petit cadeau de Noël, un site de construction qui me bouchait la vue. Mais pas celui-ci. J'attends ce moment depuis si longtemps. Avec ta mort, je serai en paix. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, j'ai l'honneur de présenter... la mort de la chauve-souris. Voyons voir ce que tu sais faire. C'est tout ce que tu as à offrir. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais notre combat. Je pensais que tu serais plus dur à vaincre. Je suis à peine fatigué, mais tu faiblis déjà. Rapide.
monsieur, l'analyse de votre tenue révèle de multiples blessures. Vous non, devriez vous pas retirer. Maintenant. Comme je m'abuse, nous sommes comme deux titans, deux dieux qui s'affrontent pour l'âme de la ville. Les gars, on peut passer. Hein. Je vous. J'ai des bâtiments à détruire. Allez, vas-y, éradique-le. Personne n'est en route, monsieur. Retenez Bane jusqu'à son arrivée. C'était la nuit, c'est mon Noël, et dans toute la maison, les créatures pour le même. Allez, une chauve-souris s'agit. Mais quelques coups sur la tête, et le tour fut joué. J'aurais fini avec lui. Je m'occuperai de toi, vieux salaud. Que je l'ai ressenti. Accepte la défaite. Oh, allez, laissez au moins te battre. J'en veux pour mon argent. 50 millions de dollars. Tu n'as plus de cachet. Je m'attendais à un meilleur combat. Défends-toi. Je vois que tu as encore un peu de ressort. Allez, vas-y, éradique-le. Gordon est en route, monsieur. Retenez Bane jusqu'à son arrivée. C'est fini pour Batman, les amis. Tu vas me pencher. C'est dans Noël et dans toute la maison. Tu es faible. Arthur était en forme. Même. Une chauve-souris s'agite. Mais quelques coups sur la tête, le coup fut joué. J'en aurais fini avec lui. Je m'occuperai de lui. Mais y a ça, loco. Le coup était si fort que je l'ai ressenti. Oh, allez, essaie au moins de te battre. J'en veux pour mon argent. 50 millions de dollars.
tu as à offrir. Dépassé. À terre! Je répète, à terre! Oui. Voilà ce que j'appelle une fête. Ce toit commence à être trop chaud. Ugh.
Pourquoi est-ce que tu as fait ça? J'ai un scoop. C'est moi, celui qui essaie de t'étriper. C'était de très vilains. Vilains garçons. Ils ont fait des horreurs. Mieux vaut ne rien savoir. Ils méritaient la mort. Tout comme moi. Bouge pas, taré. Je crois que c'est à toi qu'il parle. Butez-le! Allez! C'est pas vrai. Il s'est enfui. Emmenez-le à Blackgate. Il est où? Hein? Qui? Batman, ton partenaire. Mon partenaire? Qui d'autre sauterait d'un bâtiment pour te sauver la mise? Vous voyez, officier? Je me demandais exactement la même chose. Bienvenue à Blackgate. Nous allons faire une simple évaluation psychiatrique. Les flics de cette ville. Ils s'en prennent toujours aux plus faibles. Répondez franchement. Vous croyez vraiment savoir ce qu'est une mauvaise journée? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que la mémoire peut parfois être extrêmement cruelle. Les coups de tonnerre aigus et mordants, les troubles faits impromptus qui hurlent dans toutes vos synapses, sans prévenir toute la journée. C'est un peu plus douloureux. Et impossible de se réfugier dans la folie. C'est alors que vous rencontrez quelqu'un qui change votre vie. Et vous ne savez plus vraiment qui vous êtes. Étrange, comme une rencontre peut détruire les dernières bribes de votre passé, déformer vos souvenirs, l'image que vous avez de vous, jusqu'à reconstruire toute votre identité. Et quand vous comprenez combien c'est ridicule, votre rire résonne contre les murs de votre propre vacuité. D'accord. Je vais avoir besoin de précision. Si on essayait d'associer des mots... Ça me paraît... séduisant. Acceptation. Ce n'est pas un peu banal, non? Écoutez, je ne fais ça que pour vous aider. Essayons encore. Acceptation. Mon étape préférée. Alors vous connaissez Kubler-Ross? D'accord. Oh, je la connais mieux que personne. Vraiment. Et le mot famille? Brouillé. Vraiment. D'accord. Que dites-vous de trahison? Oh, des paillettes violettes. D'accord. Obsession. Un paillasson, un chapeau de chat, une tenue en cellophane et des électrodes. Je vois. D'accord. Et le mot vérité? La poudre à canon. Plein de poudre à canon. Humilité. Les cabines de bain au bord de la mer, qui sentent vaguement le sel marin et l'odeur de citron artificiel des produits détergents. D'accord. Encore un. Et vous devez être sérieux cette fois.
destin. Vous voulez en savoir une bonne ? Avant, je pensais que le destin, c'était négatif, prédéterminé, non par une force supérieure, mais par les règles de la nature humaine. Mais ce soir, les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé ? Avez-vous déjà eu le sentiment étrange que votre vie tout entière était faite pour vous amener à un moment précis ? Est-ce que c'est ce que vous ressentez ? Maintenant, oui. Je réalise que tous les combats, les mauvais jours, les brutalités, tout ça, c'était l'œuvre du destin. Alors, vous voyez le destin différemment ? Tout à fait. Maintenant, je comprends. Il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Tout devait être ainsi. Tout m'a mené jusqu'à ma rencontre de ce soir. Ah, vous savez rencontrer quelqu'un de spécial ? Oui. Et on peut dire que cette rencontre a tout changé. Tout changé ? Absolument. Enfin, vous êtes consciente que nous vivons dans un univers terrible, qu'il est très difficile d'avancer dans la saleté et la misère quand on est seul. On est toujours un peu seul. Pas vrai ? C'est ça. C'est ça. Vous comprenez ? Même dans une foule de tordus, on se sent si seul qu'on veut frapper, griffer, crier, hurler de toutes ses forces. Et tout le monde s'en fiche. C'est comme si on n'existait pas. Je le sens. J'ai l'impression d'être à la dérive, de flotter, comme si quelqu'un avait fait éclater ma réalité et que j'étais aspiré dans quelque chose de nouveau. C'est une sensation très excitante. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait, je pense. En fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que cette personne vous fait ressentir ? C'est comme de rencontrer quelqu'un qui peut me comprendre. Ce que, croyez-moi, je n'avais jamais ressenti avant. Vous comprenez ? Vous n'avez pas peur de vous laisser aller et de tomber ? En chute libre ! Et je n'ai pas de parachute. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Oui, je vois. J'en étais sûr et certain. Vous pouvez me dire ? Qui est cette personne ? Oh, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment spécial. Une personne dont je ne connais pas encore le véritable nom. Je m'appelle Arlene. Arlene Quinzel. C'est un très joli nom. Est-ce que vos amis vous appellent Harley ? Oh, je n'ai pas beaucoup d'amis. Bien, Harley. Vous en avez un maintenant. Le moment est sans doute mal choisi, mais j'espérais que vous seriez d'accord pour fêter le réveillon de Noël, maintenant que le Joker est en prison. Ben est en liberté. Je dois localiser le signal grâce au mouchard que j'ai mis sur lui. Il faut bien que vous mangiez, monsieur.
si vous n'aviez pas appelé la police, il aurait déjà été arrêté. Vous savez, vous n'êtes pas le seul à avoir fait une promesse à vos parents. Aucune victime en vue. Plus tard, Alfred. Qu'est-ce qui s'est passé dans le quartier? Tout a été évacué. On a trouvé des bombes dans les fondations. Du même genre que celle du Royal. C'était une espèce de cinglé. Il devait peser dans les 200 kilos. Il a quand même fallu 6 flics pour le mater. Ouais, j'ai vu son corps à la morgue. J'en revenais pas. Il peut s'agir de Bane ou d'un de ses hommes. Si je file à la morgue, je pourrai examiner le corps et le rapport d'autopsie. Bien. Avant que vous partiez, j'ai testé le composé que vous avez trouvé à la scierie. Ça semble correspondre à votre projectile globulaire pour entrave non létale. Vous voulez dire ma grenade collante ? C'est ça. La résine doit être prête. Elle est sur votre établi. Bien sûr, je vous recommande de la tester dans notre labo avant d'y aller. Mais je parie que vous ne m'écouterez pas, comme d'habitude. Vous n'avez pas l'intention de la tester, n'est-ce pas ? Rien ne vaut la pratique, Alfred. Maître Bruce ! Non ! Maître Bruce ! Il est hors de question que je vous autorise à partir comme ça. Vous êtes tout seul contre ces assassins. Et quoi ? Vous êtes loin d'être un bagarreur aguerri. Vous êtes un jeune homme très fortuné et en colère. Vous êtes dépassé par tout ça. Et je ne veux pas que vous y perdiez la vie. Alfred, qui voyez-vous lorsque vous me regardez ? L'enfant dont vous faisiez les lacets tous les matins ? L'ado que vous conduisiez à ces rancards ? Pendant que vous passez vos nuits ici, je suis dehors. Je suis le seul rempart entre les innocents. C'est peut-être vrai. Non, mais... pas peut-être. C'est vrai. Quand l'agresseur ou le voleur s'arrête pour réfléchir, c'est de la peur. Voilà ce que je suis. S'ils ont employé des assassins, c'est parce que c'est à cause de moi que les criminels respirent mieux quand le soleil se lève. Alors non, Alfred, je ne suis pas dépassé par tout ça. Je ne serai pas vaincu ce soir. Mais eux le seront. Je sais que je ne peux pas faire ça. Je vais devoir trouver un moyen d'éviter d'être repéré. Exact. Écoutez, je suis désolé pour ce... C'est bon. Thank you.
à sa folle ici. Si vous n'avez pas de mission, manifestez-vous. Je dois entrer dans les égouts d'où je suis sorti la dernière fois que j'étais au GCPD. Code 4 confirmé. Allez voir.
lui mettre les menottes. T'aurais mieux fait de te rendre quand on avait l'occasion. Allez, les gars. Tu dis que Black Mask est pas mort ? Non. Et que c'est pas lui qui a tué Lob ? Non. Et que c'est plus lui qui contrôle son gang ? Non. Et qu'un nouveau gars en ville a repris son gang et c'est a... Lui. Une agression ! On s'en occupe ! Je suis prêt, premier. Thank you.
À toutes les unités, si vous êtes en 10-10, merci de signaler pour une éventuelle mission. Suspect repéré, je le poursuis. Une altercation par ici. Il nous faut des gars. T'aurais mieux fait de te rendre quand on avait l'occasion. Allez, les gars, aidez-moi à dégager cette ordure d'ici. Pas grand-chose à voir de près. Je me demande pourquoi tout le monde le craignait. Ugh.
Je devrais utiliser ma grenade collante pour boucher ces tuyaux. Thank you.
Ce n'est pas Bane, mais l'un de ses hommes. Celui que j'ai vu lors de l'émeute dans les cellules tout à l'heure. Je dois examiner son cadavre. La victime a reçu un produit chimique qui a entraîné une déformation temporaire de sa physiologie. Je vais devoir lire le rapport d'autopsie pour en savoir plus. Cet ordinateur doit contenir le rapport d'autopsie que je recherche. Intéressant. La victime utilisait un puissant composé présentant de nombreuses similitudes avec le venin au moment de la mort. Cela change les muscles de l'utilisateur et la structure des os. Ce qui améliore la force pour une courte période. Quel que soit ce composé, il réduit les capacités mentales de plusieurs façons, y compris en causant de gros dégâts au niveau de la mémoire. Une utilisation prolongée pourrait sérieusement endommager la mémoire de l'utilisateur. Voilà le mouchard de Bane. À toutes les unités, on nous a signalé des tirs dans le quartier de Coventry. D'après les témoins, les deux groupes armés s'affrontent pour des armes chimiques apparemment. Je demande aux agents disponibles de se rendre sur place. Des armes chimiques ?
Tu devrais aller voir. Thank you.
Je dois filer à la position de Bane avant de reperdre la trace du signal. C'était vraiment décevant.
Du mouchard provenait de quelque part dans ce tunnel. Thank you.